Les Haïtiens deviennent des animaux. Mais qu'on texte la queue de corneille soit son. Les mêmes gars, ils sont sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les Haïtiens sont des animaux. En 1988, mes contextes, c'est la sieste. Je me tape d'écrit, il y a un nègre qui est dans le pouvoir ici, qui chita son Dodine. Au moment, Dodine a commencé à parler avec Nexa. Dodine a dit, Nexa, je suis beaucoup chita sur moi. Je suis minable chita sur moi. Je suis minable qui a pensé seulement à sa fait pas, qui n'a pas pensé à payer. C'était un dialogue entre objet, on Dodine, et on nègre qui n'a pouvoir qui chita sous chaise. Depuis 88, 87, 86, je m'appelle qu'on bonne conique, côté m'a dénoncé dirigeant haïtien. Toujours a dit que en Haïti, on a des comédiens. Son série de monde qui a fait semblant. Il a fait semblant au ministre, il a fait semblant au président, il a fait semblant au directeur général. Mais en fait, ce n'est qu'un prétexte. On a eu constamment des comédiens au pouvoir en Haïti. Alors, c'est le drame. Ça veut dire que ça n'a pas vivre rien, n'est que la résultante. Parce que lorsqu'on a l'État qui n'est pas dirigé, même toujours à dire comme ça, même toujours rire, les gens qui ont pensé de gros réflexions sur la politique en Haïti, n'est que pas en université. Alors que finalement, pour bien comprendre la gouvernance haïtienne, c'est pour garder un film cowboy longtemps, un film western. Ou on bannit la loi, qui prend son nom en ville. C'était toujours le schéma du Western longtemps. On bannit la loi, qui prend son nom en ville. Ou la loi prend son nom en ville, qui prend poste du juge, qui prend poste du shérif. Mais en fait, c'est un. Son comédie. Dans le temps, l'essentiel, c'est-à-dire fait comme, il était caché avec un masque. On ne pas de vous prendre pour voler, vous pas de vous prendre pour assassin. Ils avaient une posture. Ils avaient une posture. Ils cachaient ce qu'ils faisaient. On sait de nègres, même sous du valier, qui tapent tout le monde, qui tapent voler. Mais souvent dans le quartier, ils s'arrangeaient pour être perçus comme des gens de bien. Tu on sait de ma côte qui étaient des torsionnaires, mais dans le quartier, c'est monde de bien. Ils étaient des gens. Ils allaient à l'église, ils étaient prêts pour monde de bien. Dès que vous traversez dans l'autre côté, vous faites ça pour vous faire. Donc, il y avait ce désir de paraître, de bien jouer la comédie. Sauf que maintenant, bah, on vient tellement décrémé, avec le système éducatif haïtien, on vient tellement décrémé. Nous avons dit, papa, nous avons dit en 1980, avant M. Moun, nous avons dit, Gary, Samuel, là, dans 20-30 ans, c'est Moun qui va diriger le pays, à Chiri. Mon père me le disait dans les années 80. Eh bien, le problème, c'est qu'on vit maintenant, c'est ça. Prétextant, lui vient paraître à clair. Ça veut dire que Mounio, il n'y a pas même dans prétexte, il n'y a pas même dans comédie encore. Et ce qui est grave encore, le fait que nous avons une crise du système éducatif, les gens ne peuvent même plus choisir. Quand tu regardes en 57, on avait le choix entre Desjoies et Jumel, Fiolet, Duvalier. On a choisi le plus nul, François Duvalier. Ou après, dans chaque élection, c'est toujours le plus nul qu'il a choisi. Les gens ont tendance à voter le plus nul. Ça que t'as, entre guillemets, assemblé. Et là encore, c'est un problème éducatif général. Donc, ça n'a pas vivre là, effectivement, c'est un effondrement de notre société. Mais ce n'est pas un bagage qui vient comme ça. C'est un bagage depuis longtemps. Là, et puis, cap décrémé. Malheureusement, pas gain aucun sou dans la société pour elle. Pour nous sortir dans Sandaï là, c'est pour t'agon sou pour nous arrêter ça qui passé là. Mais malheureusement, je regarde par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce bagage effrayant. Jean yon moun a détruit l'autre. Le rang moun qui retourne ti valeur dans pays a essayé détruire nous tous les animaux. Et sur les réseaux sociaux pour nous qui gagne nous tous les animaux dans pays ça. On ne peut pas avec des animaux construire un pays. Il faut que les gens cessent de détruire les autres comme ça. Il faut que nous commençons à mettre la tête ensemble pour essayer de faire un bagaille. On ne peut pas continuer ainsi. Nous avons détruit l'autre comme ça. Quand nous avons PHTK, que nous avons MTV, que nous avons Moïse Jean-Charles, que nous avons Salté 1, c'est le type
est brillant, si le type est éduqué, si un nègre a un bagage dans la tête, c'est pour chita avec nègre, c'est pour utiliser nègre. On sait donner cap en pose révolutionnaire, yo. Yo pas connait rien. Quand Lénine a pris le pouvoir en Russie, si Lénine pas servi avec un série de fonctionnaires qui étaient sous le tsar, si Lénine ne s'était pas servi d'officiers qui étaient sous le tsar, alors d'après vous, Lénine aurait pu tenir le pouvoir. Lénine a été obligé de se servir de gens qui travaillaient sous l'ancien régime, de nègres qui étaient consacrés à l'économie, de nègres qui étaient consacrés à l'art militaire. Lénine a été obligé de se servir de ces gens. Même Castro. Alors Castro t'a doit faire tout le temps ça s'il n'y a pas de conseil de monde qui était dans l'ancien régime, qui était comme il aurait pu. Donc, il y a des gens, et c'est le drame des réseaux sociaux, ça détruit énormément de choses. Et nous sommes maintenant dans un carrefour de ce pays. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'il y ait une justice dans ce pays. Mais c'est maintenant pour une justice. Si nous, on a goûté avec l'autre, on a détruit l'autre, mais pour réaliser justice, il faut qu'on masse critique d'haïtiens qui mettent tête ensemble pour décider. Il faut qu'il y ait la justice maintenant. Mais si nous ne mettons pas tête ensemble, qui côté la bien justice? Ou conseil de groupe de nèg devant nous là, yo met tête ensemble puis yo défend rapine yo. L'équipe du PHTK, l'équipe au pouvoir, yo met tête ensemble puis yo défend rapine yo. Ils ont peur justement, ils ont peur de la justice. Donc yo ensemble. Donc si nous-mêmes qu'en face là et puis on a goumé a déchiré l'autre ici là c'est là où va-t-on, on n'aura rien. Donc il faut se mettre ensemble pour avoir la justice. Maintenant quand on se mettra ensemble, on aura la justice, on décidera quelle forme de justice qu'on aura. Mais mon problème, c'est le refus de se mettre ensemble. Est-ce que c'est parce que j'appelle ça le réflexe de précarité qu'on est Jean Balanier, quand on se met en tête qu'il n'y a que 6 mangues et nos 1000 moun là n'a goumé pour 6 mangles. Pendant ce temps, nèg ou tête ensemble, yo fait G9, fait tout bagarre, nèg ou tête ensemble en façon là. Alors, on va faire quoi nous? C'est pour ça qu'on a eu constamment ces gouvernements. Et parce qu'à chaque fois, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble, on aura quoi d'après toi pour faire une élection? Martelly ou Nicolas Duvalier II? Si nous ne mettons pas tête ensemble, c'est ça qui va le gagner. Kounia, mais il n'y a pas de référendum. Premièrement, c'est totalement inconstitutionnel. La Constitution baille exactement ça pour faire, pour amender, pour changer. D'accord? Pour besoin changer. Et d'ailleurs, c'est bagaille pour te montrer comment ces gens sont tellement piètres. Tellement piètres. Ou fin publier foi, ou t'arranger corps, parlement pour vous, ou t'as fait amendement normal, fait le passé. Ils sont tellement piètes, ouais, donc c'est vraiment, on agit en pleine médiocrité. Donc, référendum, ça, c'est qui totalement illégal. Si on était, on a boumé avec l'autre, on va l'avancer, soit faire référendum, et on va tomber dans un chaos perpétuel. Donc, on va tomber dans la somalisation totale du pays. Qu'on ça, on va le faire. On a proché mes frontières à la République dominicaine. C'est pour ça, moi, je dis qu'il faut arrêter ça. Il faut se mettre ensemble. Suspendre, on a juré l'autre pour essayer d'avancer. D'ailleurs, je suis un joueur d'échecs. On m'a toujours appris, la stratégie, c'est par étapes.